Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Guillaume en direct pour un cours de pilates de 45 minutes. Je vous laisse vous connecter, on démarre dans 2 minutes. Je vous engage à prendre une petite bouteille d'eau, vous mettre pieds nus, en chaussettes ça glisse un peu. Et voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bonjour Arnaud, les fidèles. Salut Aurélie. Allez, une petite minute et on y va. Vous allez bien? J'espère que votre semaine a été bonne. Je sais pas si vous entendez la musique d'ailleurs à chaque fois que je la mets. Bref. Allez, on y va. C'est parti. Bonjour Nadine. Je dis bonjour aux gens qui sont là en direct. Forcément sur le replay, ça va faire bizarre. Allez, go. Musique, ok. Bon bah. Très bien. C'est parfait. Allez, c'est parti. Quel enjeu de hanche. Je sais pas crier parce que je sais que quand j'entends. Quand je parle dans les écouteurs, on entend bien. Ouais, bon, bref. Allez, mettez-vous bien pied largeur de hanche, bien pied parallèle. Veillez à ce que vous n'ayez pas un pied qui parte au canard, etc. Okay. Vous relâchez vos épaules, vous serrez un petit peu les fessiers, vous commencez à engager votre centre. Vous allez placer juste votre respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez par le fond de la gorge. On fait quelques respirations comme ça, histoire de se mettre dans l'ambiance, dans le cours. Encore deux fois, respirez profondément. Sentez les côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Votre sangle abdominal s'engager un petit peu plus fort à chaque fois. Inspirez. Ok, levez les bras vers le plafond. Attrapez votre poignet droit. Poussez vers le plafond, allez chercher la hauteur, relâchez les bras, très doucement, enroulez le menton vers la poitrine, enroulez le haut du dos, le bas du dos, le milieu du dos, relâchez complètement votre haut du corps, sentez le petit stretching sur l'arrière des jambes, fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, de nouveau levez les bras vers le plafond, attrapez votre poignet droit, basculez sur votre gauche, revenez au centre, ouvrez les bras, relâchez encore une fois tout le haut du corps, fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, levez les bras vers le plafond, attrapez votre poignet gauche, basculez sur votre droite, revenez au centre, une dernière fois, on ouvre les bras, on enroule, on relâche. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, montez les bras, paume de main face à face, relâchez vos épaules, serrez les omoplates, descendez sur votre petite chaise. Inspirez, expirez, repoussez vers le plafond, poussez sur vos pointes de pied. Tenez la posture, engagez votre centre pour éviter de partir vers l'arrière. Ouvrez les bras très gentiment. Ramenez les mains devant, vous êtes toujours sur les pointes de pied, relâchez vos épaules, posez les talons au sol, venez sur votre petite chaise de nouveau, je vais mettre 2-3 quarts, comme ça vous verrez un petit peu mieux. On inspire sur l'inspiration, on repousse de nouveau sur les pointes de pied. Relâchez bien vos épaules, montez les bras vers le plafond pour de main face à face. Ouvrez les bras, vous êtes toujours sur les pointes de pied, ramenez les bras devant. Posez vos talons au sol, descendez petite chaise. Inspire, expire, repousse, pointe de pied, monte les mains vers le plafond, relâche les épaules.
partir en arrière, insérez un peu vos fessiers. Ramène les bras devant. Pose les talons au sol, descend sur la petite chaise et monte les bras au-dessus de la tête et pousse sur les jambes, uniquement sur les jambes. On est en équerre, envoie les bras vraiment au-dessus de la tête, aspire ton ombril et relâche les bras, relâche le haut du corps. Fléchis les jambes, pose les mains sur les cuisses et remonte vertèbre après vertèbre. Enroule les épaules dans un sens. Et dans l'autre sens. Ok, vous allez mettre tout le poids sur votre jambe droite. Levez genou gauche et montez bras en H. Vous allez envoyer votre jambe gauche vers l'arrière. Pointez votre jambe gauche, descendre un tout petit peu sur votre jambe droite. Inspirez, sur l'expiration, envoyez les bras au-dessus de la tête et revenez en H. Envoyez même un tout petit peu plus les coudes vers l'arrière, comme si vous vouliez vous toucher les côtes. Et renvoyez les bras au-dessus de la tête. Pendant ce temps-là, vous maintenez toujours votre jambe gauche tendue. Renvoyez les bras vers l'arrière. Maintenez aussi votre tête dans l'axe. Renvoyez les bras au-dessus de la tête. Renvoyez les coudes vers l'arrière. Posez votre jambe gauche au sol. Envoyez les bras au-dessus de la tête. Et descendez votre genou gauche, pardon, au ras du sol, une feuille de papier. On inspire, sur l'expiration, vous poussez juste sur votre jambe arrière et vous mettez tout le poids sur votre jambe droite. On inspire sur l'expiration, on repousse uniquement sur la jambe droite, on garde toujours les bras au-dessus de la tête et on descend sur notre genou, vers notre genou gauche au ras du sol. On inspire sur l'expiration, on pousse sur notre jambe gauche, on met tout le poids sur la jambe droite. Inspirez, expirez, revenez en fente et descendez votre genou au ras du sol. Et là, posez votre genou au sol et venez mettre les mains juste derrière la tête. Là, vous allez vous pencher un tout petit peu en avant et ramenez le talon gauche vers la fesse gauche. Posez le pied au sol et talon vers la fesse. Vous faites des mouvements pour travailler votre ischio, tout en maintenant vos omoplates serrées et les mains juste derrière la tête. Donc vous avez votre jambe droite qui est en train de travailler et votre jambe gauche qui, votre ischio gauche qui bosse aussi. Ok, vous relâchez les bras, repoussez sous la jambe, ça fait du bien, la jambe gauche elle bosse. Vous allez vous mettre votre main gauche à côté de votre pied droit, poussez sur votre jambe gauche tendue, ouvrez votre poitrine sur la droite et montez le bras au-dessus de la tête. Vous allez inspirer sur l'expiration, poussez fortement sur votre jambe droite et venir ouvrir votre poitrine sur la gauche. On inspire sur l'expiration, je retourne, je viens de nouveau poser ma main gauche à côté de mon pied droit et ouvrir ma poitrine sur la droite pour regarder ma main droite et commencer à travailler l'épaule. Inspirez, expirez, relâchez, poussez sur votre jambe, twistez votre jambe gauche. Venir fléchir la jambe droite, ouvrir la poitrine sur la gauche. C'est la posture du guerrier en yoga, à peu près. Allez, une dernière fois. On vient twister la jambe gauche. Venir fléchir notre jambe droite. Pousser, poser pardon, notre main gauche au sol. Mettre, orienter la poitrine sur la droite, regarder notre main droite. Venir mettre notre main droite à côté de notre pied droit, écarte un petit peu la main gauche, envoyez notre jambe droite vers l'arrière et venir faire un chien tête en bas.
sur les pointes de pied, arrondissez le dos et prenez des nages. On inspire sur l'expiration, chapitre en bas. Poussez sur les pointes de pied, arrondissez le dos. Bienvenue au deuxième gainage. Serrez un petit peu les omoplates pour ne pas avoir votre dos arrondi, hein, ok? Serrez les fessiers, inspirez le nombril. Inspire et expire, chien tête en bas. Poussez sur les pointes de pied, arrondissez le dos, venez en gainage, c'est le dernier. Chien tête en bas et marchez vers vos mains, gardez les paumes de main au sol. Choisissez le stretching, envoyez les fesses un petit peu vers le haut, poussez sur vos pieds. Ok, fléchissez les jambes pour venir poser les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez. Enroulez vos épaules. Ok, on va mettre. On va mettre cette fois-ci tout le poids sur notre jambe gauche. Venir. Levez le genou droit et on relâche. Vous allez renvoyer de nouveau votre jambe droite vers l'arrière. Fléchir légèrement votre jambe gauche. Envoyez un petit peu plus les coudes vers les flancs, là, vers l'arrière. Et envoyez les bras au-dessus de la tête. Inspire et expire, tu renvoies les coudes vers l'arrière. Inspire sur l'expiration au-dessus de la tête. Inspire, expire. Envoyez vraiment bien les coudes vers l'arrière. Remontez au-dessus de la tête. Envoyez les coudes. Ok, posez votre jambe droite au sol. Montez les bras au-dessus de la tête. Et fléchissez votre genou droit au ras du sol. On inspire sur l'expiration. Vous poussez sur votre jambe droite. Vous mettez tout le poids sur votre jambe gauche. Et vous poussez jusqu'au bout, jusqu'à temps d'avoir presque que le bout du pied droit qui touche. On revient vers l'arrière. On se redresse. On inspire. Et sur l'expiration, on fléchit le genou. Inspirez, expirez, repoussez et poussez sur votre jambe droite. Allez, on est vraiment sur l'avant de la jambe. On revient. On redescend. Et là, on pose juste le genou droit au sol. On ramène les mains juste au niveau de ses tempes, sur l'arrière. Les tempes juste arrière du crâne. Et vous allez ramener talons. Je vais mettre le profil, talon droit vers fesse droite et vous reposez, vous inspirez, sur l'expiration, talon droit, fesse droite. Et vous avez toujours votre cuisse gauche là qui bosse cette fois-ci, hein. Et toujours omoplate serrée. Allez, encore une fois, travail de l'ischio là. Ok, relâchez les bras. Posez votre main gauche, votre main droite, pardon, à côté de votre pied gauche. Vous allez tendre votre jambe droite et ouvrir votre poitrine sur votre gauche. Comme ça. Ok, on travaille vraiment là, épaule, et vous tendez bien votre jambe droite. Allez, mettez tout le poids sur votre jambe gauche et poussez, twistez votre pied droit et venez descendre sur votre jambe gauche. Ouvrez la poitrine sur votre droite du cou. Allez, vous avez les bras qui sont parallèles. Vous regardez droit devant vous, vous avez ouvert la poitrine. Ok, vous twistez vers votre jambe gauche. Vous fléchissez forcément, on travaille toujours la jambe gauche. On pose la main et on ouvre la poitrine vers le genou gauche. On revient, on met beaucoup plus de poids sur sa jambe gauche pour pousser, twister la jambe droite, venir déjà se mettre en guerrier et fléchir notre genou gauche. Très bien.
par soir. Bon, comme tous les matins, vous allez me dire. Ok, on ouvre. Enfin, on parle, on twist. Une dernière fois, on pose. On ouvre. Ok, petite subtilité, vous allez toujours pousser, mais venir vous mettre, hop, en écart. Et là, on va glisser main gauche vers cheville gauche. Revenir au centre, ramener les mains juste derrière la tête. Et de nouveau, je viens mettre cette fois-ci main droite, cheville droite. Je reviens au centre, main derrière la tête, serrer les omoplates. Je ne fais pas de twist, mais on essaie d'être bien bas pour sentir le travail au niveau des adducteurs. Mais ça essouffle ça. Allez, encore une fois, main gauche, cheville gauche. On repousse. Main droite, cheville droite. Travail du grand fessier aussi. On revient une dernière fois. On repousse sur les jambes, on ouvre les bras. Vous resserrez vos pieds. Vous enroulez le menton vers la poitrine. Et vous relâchez complètement le haut du corps. Fléchissez les genoux. Posez les mains sur les cuisses. On va monter. Vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules. Envoyez les bras vers le plafond. Et là, envoyez les fessiers vers l'arrière. On l'a fait tout à l'heure en échauffement, on envoie juste les fessiers vers l'arrière. Ça, on va le faire trois fois. Sentez le stretching sur l'arrière des jambes. Ok, on relâche les bras. On fléchit les genoux et on remonte vertèbre après vertèbre. Comme ça, on pousse, on continue de travailler nos jambes. On monte les bras vers le plafond. Serrez les omoplates, relâchez vos épaules. Envoyez juste les fessiers vers l'arrière. On a un gros travail au niveau du dos, là. Relâchez les bras. Fléchissez les genoux. Posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. Une dernière fois. Montez les bras vers le plafond. Relâchez vos épaules. Inspirez le nombril. Serrez un peu les fessiers. Envoyez les fesses vers l'arrière. Relâchez les bras. Fléchissez les genoux, posez les mains au sol et envoyez jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Vous êtes en gainage. Ramenez genou droit vers poignet droit. Et repousser. On va faire le domino. C'est-à-dire que ensuite on va aller vers le coude droit. On monte un petit peu le genou. Et on repousse. Vers le triceps droit. On peut arrondir un tout petit peu. Ça fait pousser. Et on retombe. Et c'est pas fini. Genou droit vers poignet gauche. Et on retombe. Vers coude gauche. Et vers le triceps, on arrondit. Et on repousse. Chien tête en bas. Allez, cherchez vraiment. Poussez dans vos mains. Arrondissez le dos. Et venez poser vos deux genoux au sol. Maintenez les mains. Vous allez tendre vos jambes droites et bras gauche. On inspire sur l'expiration. Coude droit vers genou gauche. Coude gauche, pardon, vers genou droit. Et on retient. Allez, gardez vos hanches face au sol. Engagez l'avant de votre cuisse droite. Coude genou. Et retendez. Encore une fois. Coude genou. On retient. Posez votre main gauche
gardez vos hanches face au sol, gardez votre pied droit tendu et ramenez le talon droit vers cuisse droite et retendez. Le principe de travailler notre ischio droit là. Ok, on retend la jambe droite au sol, on tend jambe gauche. Notre petit chien tête en bas. Repoussez. Si vous avez envie de poser les genoux au sol, c'est le moment. On part sur 3 push-ups. Tournez les coudes vers votre écran. Inspirez et expirez. Fléchissez les coudes. Envoyez vraiment les coudes vers les flancs. J'inspire. J'expire et je repousse. Allez, inspirez. Expirez bien. Ramenez presque la poitrine au ras du sol et on repousse. Et le troisième, vous allez vraiment vous mettre au sol. Donc on descend et on vient poser le ventre au sol et tendre les bras au-dessus de la tête. Je vais mettre l'écran un peu mieux. Hop. Voilà. Donc vous avez les bras au-dessus de la tête. Vos hanches sont ancrées dans le sol. Vous avez aspiré le nombril comme si vous vouliez y passer une petite bille. Et vous allez décoller jambe gauche, décoller bras droit. Attention, votre hanche ne se décolle pas et vous reposez. Et on change. Je décolle jambe droite et bras gauche. Et je repose tranquillement. On inspire, sur l'expiration, on décolle cette fois-ci. Jambe droite, jambe gauche, bras droit. Donc là, on vient travailler fessiers, muscles intervertébraux, épaules et sangle abdominale, puisque je vous le rappelle que vous avez toujours votre nombril aspiré. De nouveau, jambe droite, bras gauche. On relâche. Et on va partir pour un petit swimming, c'est-à-dire petit battement, jambes-bras sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Vous ramenez les bras au niveau de la poitrine, vous ancrez vos genoux dans le sol, vous inspirez, et sur l'expiration, vous repoussez, vous ramenez les genoux sous la poitrine, vous envoyez les bras au-dessus de la tête et vous envoyez les fesses vers l'arrière comme si on vous tirait par le bras. Ok. Vous revenez vous mettre en position de table. Vous tendez jambe gauche, vous tendez jambe droite et on est reparti pour le domino. Vous allez inspirer, sur l'expiration, vous ramenez genou gauche vers poignet gauche et vous retendez. Allez, genou vers coude. Alors si vous n'arrivez pas à toucher votre triceps, voire même votre genou, vous restez vers le poignet. Là, vous poussez un peu, vous arrondissez pour venir toucher le triceps. Et ensuite, genou gauche vers poignet droit. On retend, oui c'est ça. J'avais deux mots en même temps là. le coude droit. Et genou gauche vers triceps droit. Allez, chien tête en bas. Gros travail du haut du corps. Poussez. Venez poser les genoux au sol. Cette fois-ci tendre bras droit et jambe gauche. Gardez bien vos hanches face au sol, hein, ça c'est très important pour ramener ensuite notre coude et notre genou. Je retends. Ramenez coude, genou. Donc là c'est travail d'épaule, épaule gauche, travail de fessier.
travail de sangle abdominal, évidemment. Reposez votre main droite, remettez vos hanches face au sol et travail d'ischio, talon-fesse. Venez vraiment presser comme si vous vouliez presser une orange entre votre mollet et votre cuisse. Hein. Et attention, le genou ne doit pas se baisser. Donc vous allez peut-être avoir, moi ça me l'a fait là tout à l'heure sur l'autre fesse, un petit tremblement au niveau de la fesse puisque notre fessier est toujours contracté. Hein. Ah oui, pardon, si vous avez envie, vous posez les genoux, on repart sur 3 push-ups. On inspire sur l'expiration. Je viens fléchir les coudes. Inspirez, expirez, repoussez. À chaque fois que vous poussez, engagez bien votre centre. On inspire sur l'expiration, vous fléchissez les coudes. Inspirez, expirez, repoussez. Une dernière fois et vous resterez au sol de la même manière, comme tout à l'heure. Et je garde la poitrine au sol. Cette fois-ci, je viens mettre mes bras vers l'arrière, comme si je souhaitais m'envoler. Vous allez décoller et pousser un tout petit peu sur la poitrine et décoller les bras. Et venez ramener les bras au-dessus de la tête sans qu'ils ne touchent le sol. On inspire sur l'expiration, je ramène les bras vers l'arrière. Là, vous sentez tout le travail au niveau de l'arrière du dos et des épaules. Alors en fonction de votre souplesse d'épaule, vous pouvez plus ou moins faire ce cercle. Moi j'ai un petit peu de mal à envoyer les bras au-dessus de la tête, mais ça passe. Une dernière fois, et vous sentez que ça chauffe sur l'arrière des bras. Ok, revenez poser les mains à côté de la poitrine, ancrez vos genoux dans le sol, serrez les abdos, poussez, ramenez les genoux sous vous et ramenez les bras le long du corps. En posture du coquillage. Ok. On se relève tranquillement. Vous allez poser votre main droite juste à côté de votre cuisse droite. Décaler votre jambe, enfin juste ouvrir votre jambe gauche, pardon. Poussez un petit peu, envoyez la jambe droite sous vous et venir en gainage. Gainage tout bête dans un premier temps. Allez, levez le bras au-dessus de la tête, essayez d'aligner tête, cou, tronc, bras et décollez votre jambe gauche. Inspirez, sur l'expiration, on ramène coude, genou. Et on revient. Inspire. Expire. Genou. On retend. Encore une fois. Coup de genou. Ok. Vous remontez le bras, vous posez votre fessier au sol, vous ouvrez votre jambe droite devant et de manière très forte, vous allez pousser sur le bras droit. On revient poser sa jambe, vous fléchissez le tout et vous envoyez le bras droit au-dessus de la tête pour sentir un stretching là ici. Et petit pincement sur ce côté-là. Ok, on, de nouveau vous ouvrez le bras, vous le posez, vous tendez votre jambe gauche, vous tendez votre jambe droite, vous poussez le bras gauche et on remonte. Donc c'est un petit travail de stretch et un petit travail de renforcement de l'épaule. Ok, on repose, on fléchit jambe droite, on fléchit jambe gauche et on monte bras droit au-dessus de la tête. Une dernière fois, je pose mon bras droit à côté de ma fesse droite, je tends ma jambe gauche, je tends ma jambe droite un peu devant moi pour qu'il y ait un angle à peu près de 90 et on pousse. Posez votre fessier droit au sol et vous ramenez la jambe gauche, hop, pour avoir les jambes
devant vous et passez sur un petit postural. Regardez droit devant vous. Vous ramenez les mains juste au niveau de l'arrière de votre crâne. Aspirez le nombril. J'inspire et sur l'expiration, je twiste sur ma droite et je reviens au centre. Travail de sanglier abdominal, travail de dos. Allez à gauche. Revenez au centre. À droite, toujours sur l'expire. Au centre. À gauche. Une dernière fois, à gauche, et au centre, ouvrez les bras, ramenez les bras devant, hop, je regarde si j'ai rien derrière moi, et on va venir faire nos abdos en posant notre colonne au sol, j'amène les bras au-dessus de la tête, j'inspire, j'expire et je ramène les bras au-dessus de la tête, j'enroule le menton, j'aspire mon nombril pour pas que mon dos se décolle. Et je reviens en posture. On fait ça 4 fois. Enroule le menton vers la poitrine. Tu décolles, tu colles tes vertèbres une à une. Vous devez les sentir se poser comme un collier de perles sur une table. Et on remonte pour ceux qui ont déjà eu des colliers de perles. J'enroule le menton vers la poitrine. C'est juste que l'image des perles, comme c'est fragile, il faut les poser délicatement. Moi, j'ai jamais eu un collier de perles. C'est mon plus gros regret. Allez, posez vos vertèbres une à une. Enroule le menton vers la poitrine. Allez, une dernière fois. On enroule. On est dynamique, hein. Même si on prend... c'est pas incompatible avec prendre son temps et sentir ce qu'on fait et de maintenir cette petite dynamique. Ok, relâchez. Vous envoyez les deux jambes sur le côté. Vous mettez votre main gauche à côté de votre fessier gauche. Vous tendez votre jambe droite, vous ramenez légèrement votre jambe gauche sous, vous poussez et vous amenez le bras au-dessus de la tête. Vous décollez, alors je ne vais pas être dans l'axe donc ça ne va pas, voilà, vous pouvez décoller votre jambe droite, inspirez sur l'expiration, coup de genou et je retends. Ah, on a aussi un travail de transverse là, hein. Transverse. Petit moyen fessier, épaule, sanglier abdominal. Oh, c'est génial. Allez, on ramène coup de genou. Et on retourne. Coup de genou. On retourne. Une dernière fois. Le coude et le genou. Tendez. Posez votre jambe gauche. Votre jambe droite, pardon. Posez tout le fessier. Gauche, tendez votre jambe gauche légèrement devant, votre jambe droite en écart, repositionnez votre, éventuellement votre main gauche, vous inspirez sur l'expiration, on vient pousser, envoyez vraiment le bassin vers le haut et l'épaule. Ok, on repose gentiment, on fléchit les deux jambes, on amène le bras gauche au-dessus de la tête et on se penche côté droit. Donc là, vous avez le petit pincement sur le côté là et l'étirement sur votre côté gauche. Ok, vous ouvrez le bras, vous reposez votre main gauche au sol, vous tendez la jambe gauche, vous tendez la jambe droite et vous poussez. Serrez les fessiers en même temps, ok? Fessier droit, fessier gauche, on serre pour tendre les deux jambes, ok? Vous devez avoir les deux quadris engagés. Ok, on relâche gentiment, quand vous relâchez, faites attention à l'épaule. On resserre, on remonte le bras gauche et on bascule. Et on revient une dernière fois. Je pose mon bras gauche, je tends jambe droite, jambe gauche et je pousse. Descendez très gentiment. Une dernière fois. On monte le bras gauche. On bascule. Donc toujours ce petit sentiment de petit pincement sur le côté droit. Étirement côté gauche.
ramenez de nouveau les jambes vers l'avant. On repasse par le postural et par notre travail de sangle abdominal. On ramène les bras de nouveau juste derrière la tête. On inspire sur l'expiration. Je twiste sur ma droite et je reviens au centre. Celui-là, il est plus simple que ce qu'on peut faire quand on est debout. Là, on a les fesses qui sont au sol, donc on a les hanches qui sont un peu bloquées. Twistez à droite. Revenez au centre. Twistez à gauche. Au centre. Troisième et dernière fois. Sur la droite. Revenez au centre. Sur la gauche. On revient au centre. Ouvrez les bras. Relâchez. Ramenez les talons vers les fesses. Les mains au niveau des genoux. Et histoire de s'amuser un petit peu, je le fais en ce moment à chaque fois, ça détend. On enroule un tout petit peu le dos, on vient sur l'arrière du dos, on décolle les pieds et trois rolling like a ball. Vous enroulez le dos, vous venez vous repositionner sur les ischions. Allez, une fois, on inspire, on expire, on roule deux fois. Une petite troisième pour la route. Ok. Posez les talons au sol, tendez les jambes devant vous, redressez-vous, le fil hop, qui vous tire par le sommet du crâne. On enroule le menton vers la poitrine et on vient se poser au sol. Ramenez rien du tout. Si, ramenez talons droits et tendez jambes droites. Pointez le pied, vous allez attraper l'arrière de votre genou avec votre main droite. Décollez tête omoplate et faire comme si vous grimpiez à votre jambe pour attraper l'arrière du mollet avec votre main gauche. Ramenez les deux mains sur l'arrière du mollet ou cheville ou pied si vous êtes sourd. Opérez un petit mouvement de stretching et un engagement un petit peu plus important au niveau de votre sangle abdominale et remettre la main derrière le genou. Reposez votre tête au sol. Gardez votre jambe tendue et mettez les bras le long du corps. Et là, vous allez inspirer sur l'expiration, faire un grand tour à votre jambe et la revenir dans la position initiale. Et de nouveau, j'attrape l'arrière de mon genou. Je décolle tête et omoplate et j'attrape mollet, petit stretching. Je descends, je pose ma tête au sol, je mets les bras le long du corps et le tour, je le fais dans l'autre sens, de gauche vers la droite. Quand vous faites ça, attention, vos hanches et vos fesses ne doivent pas partir. Donc inspirez le nombril, plaquez votre colonne au sol. Donc on recommence, vous l'avez mal fait. On met genou, mollet. On redescend gentiment. On repart de gauche à droite. Inspirez le nombril, plaquez votre colonne. Et vous maîtrisez tout le cercle pour que votre bassin ne bouge pas. Ok, votre jambe revient. Position initiale, une dernière fois, vous attrapez l'arrière de votre genou, l'arrière de votre mollet, les deux mollets, on se tire un petit peu, on engage un petit peu plus fort au niveau de la sangle abdominale et on redescend, on ramène le genou vers la poitrine, enserrez-le et décollez votre jambe droite. Décollez tête et omoplate, inspirez et expirez, changez, vous avez désormais le genou gauche au niveau de la poitrine. Expire, tu changes. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire, tu changes. On inspire. Sur l'expiration, change. Ok, posez votre jambe droite au sol. Posez votre tête au sol. Tendez votre jambe gauche. Pointez le pied, engagez l'avant de votre cuisse gauche. Attrapez l'arrière de votre genou, l'arrière mollet, les deux mains au niveau du mollet ou de la cheville. On tire un petit peu sur sa jambe. On a un petit stretching ici et on a un engagement de la sangle abdominale. Et on relâche gentiment. Et on part de gauche à droite. Inspirez le nombril, plaquez votre dos au sol pour venir vraiment faire un grand cercle avec votre jambe et venir en position initiale. Genou, mollet, allez, on vient stretcher tout ça, et on redescend, on pose la tête au sol, les mains le long du corps pour s'équilibrer un peu, et de droite vers la gauche,
utilisant nos fessiers et en faisant un joli cercle. Genoux, mollets, on stretch, on redescend tranquillement. Et de nouveau de gauche vers la droite. Arrière genoux, mollets, stretching, engagement de notre centre. Redescendez tranquillement, fléchissez votre genou gauche, ramenez-le à la poitrine, tendez votre jambe droite, pointez le pied droit, décollez tête omoplate et on reprend. Genou droit à la poitrine, pointez jambe gauche, engagez cuisse gauche et on charge. Encore une fois. Dernière fois. Ok, ramenez les deux genoux à la même hauteur, juste sous les hanches. Mettez les bras le long du sol, comme si vous vouliez vous réchauffer. Décollez tête et omoplate. Et le end hold. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Allez, ayez les bras bien tendus. Montez un tout petit peu plus haut. 5, 6, 8. Alors, je ne peux pas le faire parce que je ne pompe pas en même temps. Donc je bats juste mes bras. Mais vous, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5, j'expire. Et toujours, si vous sentez que vous redescendez, hop, on remonte, on engage un petit peu plus fort. Ok, relâchez, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Enserrez. Tendez les jambes droites. Tendez jambes gauche. Mettez les bras au-dessus de la tête. Ouvrez les bras. Quand vos mains arrivent au niveau des épaules, vous mettez les paumes de main, vous repoussez. Vous mettez les mains juste à côté des fesses, les doigts vers les fessiers et vous poussez. Serrez les fessiers, mettez votre tête dans l'axe. Envoyez le bassin vers le plafond, travaillez au niveau du triceps là. Relâchez complètement le haut du corps. Stretching sur l'arrière des jambes. Redressez-vous, remettez les mains juste derrière la tête, les doigts vers les fesses. De nouveau, je pousse dans mes talons, je serre les fessiers et je pousse vraiment dans mes mains pour sentir le travail du triceps. Reposez les fesses au sol. Poussez sur les mains pour relâcher tout le haut du corps. Attrapez vos chevilles, vos pieds, ce que vous voulez. Pouvez-vous sentir stretching sur l'arrière des jambes. Ok, relâchez. Envoyez les jambes vers l'arrière. Hop, crochetez-vous de votre pied dans le sol. Chien tête en bas. Et marchez vers vos mains. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Croisez les mains. Envoyez vers le plafond. Grandissez-vous. Inspirez. Expirez. Relâchez complètement. Fléchissez les genoux. Posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas toutes les vidéos qu'il peut y avoir sur la page de Liberty. Si vous avez envie, il y a moyen de s'amuser, de faire du sport, de se dépenser. Ne lâchez pas. Et voilà. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi après-midi. Vendredi, déjà, tout court. Un très, très bon week-end, une très bonne semaine. Joyeuse Pâques. Et à bientôt. Allez, salut tout le monde.